la question politique pour l'intérêt supérieur et Mboka pour l'intérêt supérieur et le peuple congolais. Alors, Mukolo Yalelo, ils allaient Mukolo Monene, tous allaient au Kanisaye, tous allaient pour se rappeler Nyoso à la Kisabiso, et Lelo, le Kola Mwananaye. Oyo azali pe mwana na ya politique pe abotaye Félix Antoine Tshisekedi a matérialisé idéologie ya changement ya instauration ya état de droit ezali esengo mingi pona le peuple congolais a kozwa mbongwana oyo asengaka changement oyo alukaka pona intérêt na ye yango wana tozali ko soutenir vision ya chef de l'état oyo se matérialisé na union sacrée. Union sacrée, ils allient état d'esprit, ils allient sentiment. Il y a le peuple d'abord, parce que c'est le peuple qui doit bénéficier de tous nos efforts politiques pour que le changement s'opère dans notre pays. Donc, à ce titre-là, en tout cas, nous soutenons le chef de l'État, parce que Azoro mené politique Oyo fait président Étienne Tshisekedi à la Kisaka Biso. Politique qui est allée ni qu'on a un souci à peuple, mais ma bon ouana na mboka et changement et que ça là que peuple congolais a se retrouvé na prospérité na développement Oyo Alukaka. Président, un petit mot pour la union sacrée. Union sacrée est allée l'ikalisimo wa munene. Vous avez vu que nous avons élection en 2011 na union sacrée pour l'alternance. Donc, c'est une vision moko ya ba Tshisekediste. Et le loyo présent Félix Antoine Tshisekedi a matérialisé vision wana. Vision wana est la vision qui est solo et monana na Congo. Pamba te vision wana est vision à changement. Ils ont vision eza koloba le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui na place ya fait président Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Oyo tozali ko commémorer journée à l'élo. Donc, ils ont événement moko munene, événement moko ya makasi pour le peuple congolais. Parce que l'événement Oyo est allé pour ressourcer son enseignement autozoa auprès du fait président et Tshisekedi wa Mulumba. Le peuple congolais a été un bon wana. Et mon wana, il fallait que l'on ait l'idéologie Mokobo. L'idéologie wana est allé pour le Tshisekedisme. Le Tshisekedisme est allé enseignement philosophie, théorie Oyo, na pratique Oyo comme un bon wana développement parce que nous avons instauré état de droit, nous avons instauré changement. Batoba ukangama lisusu te na makambo e bakoseli yo okosala lisusu donc batoba zo bakoyi basumbongwa l'état te corruption e kozala bani e ko permettre que peuple congolais a profité na ba richesse oyo nyonso eza na mboka Congo. Président, bayimboka bakomituna na bilongi oyo bakomona eza ko se retrouver na kati ya union sacrée. Baza na assurance te que peuple a ko se retrouver puisque les mêmes bango wana nde babebisaki na nde okabila lelo tomoni bango pembeni ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali danger le société oyo bana mboka bako s'attendre nango. Bon, ezali danger te pambate au moni nini. Il y a pas de mauvaises troupes. Ce qui chef aza bon, ba troupe nyo se kozala bon. Alors lokola tozana président Félix Antoine Tshisekedi oyo azo ko matérialiser vision ya union sacrée. Ye akoye bakotia mutu esengeli na esika oyo esengeli mpo mbongwana ya solo emonana mpo peuple congolais azozela véritable changement. Toza sur na droit ya kosala erreur te, toza sur na droit ya kokendela ba échec te mpo tolingi ke na ntango moke mbongwana emonana mbongwana komonana soki président Félix Tshisekedi azwi makambo na maboko na vision oyo ya union sacrée, na vision oyo ya le peuple d'abord, na vision oyo ya changement pour la prospérité, pour l'intérêt supérieur à notre peuple, et pour ça que mbongwana bokomona yango na peu de temps bokomona changement parce que président Félix Antoine Tshisekedi aza capable ya koyeba mutu nini akotia na esika yango mpo ye aza tribaliste te, ye aza véritable chef oyo azokopone idéologie ya tshisekedisme. Oyebi bien président Étienne Tshisekedi wa Mulumba azalaka pacifique, azalaka démocrate et puis azalaka tribaliste et azalaka pe pour combattre la corruption. Donc lelo yo nyonso wana se matérialiser na vision oyo président Félix Antoine Tshisekedi a lancé la union sacrée pour la nation. Président, c'est que 2021, peuple congolais a zélani ya Mulumba ya malamba. 2021 est allé vraiment ébandir ya Moussala. Kambate, président de la République, a récupéré gouvernance Yamboka, la vision naïe. C'est-à-dire maintenant, le programme qui sera appliqué, c'est le programme du chef de l'État. Le programme qui va permettre de la prospérité, de mettre en place le développement Yamboka, de mettre en place le changement véritable en instaurant un état de droit où la corruption sera combattue, où la bonne gouvernance sera prônée. Et par rapport à cette bonne gouvernance, le peuple congolais a retrouvé compte naïe. Donc, 2021 cap vers la prospérité.
cap vers le changement, cap vers le développement de notre pays. Et le développement, on a été réalisé dans ce temps. Parce que le président Félix a envoyé Bakotia, Mouto et Sengeli, Naïsika et Sengeli. Merci beaucoup, président. Merci. À lui, à chaque fois qu'on fait nos activités proches de la population et qu'on met toujours la population en avant, et lui qui avait un slogan qui était le peuple d'abord, on se retrouve vraiment ensemble. Et je pense que chaque année, le 1er février, c'est quand même bien qu'on puisse le commémorer et non le pleurer, parce que là, c'est quelqu'un qui reste en nous pour l'éternité. Voilà. Quel souvenir gardez-vous de lui? Le souvenir que je garde de lui, ce sont les réunions qu'on a eues à l'époque du rassemblement. Et des réunions, des grandes réunions aussi, où d'ailleurs une fois il nous a brandi le carton jaune. Et je pense que c'était vraiment. J'ai quand même trouvé que papa est déjà âgé, mais il reste jeune dans sa tête, parce que là il brandit le carton jaune. Tout ça pourquoi? Pour le bien de la population. Comme il y avait du mal, à l'époque où le pays était géré par d'autres personnes, le pays n'allait pas, tout n'allait pas. Et lui, il ne manquait pas l'occasion pour s'exprimer, pour le dire tout haut. Voilà, il était du côté du peuple. Merci. Un réveil de conscience. Il a attendu le peuple jusqu'à ce que le peuple sait d'arriver et est arrivé lui-même à un niveau où il fallait. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la démocratie. Merci. On m'a pris au moment où le monde ne voulait pas de nous. Il nous a encadré à la force du progrès, il nous a enseigné la politique réelle et il nous a donné des valeurs dont on est en train de pérenniser toutes les valeurs que Tshisekedi nous a mis ici. Et je ne peux que te dire aujourd'hui, merci papa Étienne, tu es mort sur les champs de bataille et nous nous faisons de continuer. Un message de l'île pour ceux qui continuent à faire la lutte là, comme le président Félix, quel message tu peux donner? Le message au président de la République, c'est d'abord le message de l'île. Partout où il passe, la population ne cesse de lui dire « Papa Lubaki, le Baki, le peuple est d'abord ». Quand le peuple lui dit cela, c'est un rappel. C'est pour lui dire que le testament que Tshisekedi a laissé, c'est de penser à ses peuples. Et vous verrez que la vision de Tshisekedi d'unir tout le monde, même dans l'Union sacrée, c'est pour que les gens enlèvent leur cerveau. Nous enlèvons notre tribalisme et mettons ça de côté et que nous mettions maintenant notre intellect et notre valeur comme étant culture populaire. C'est le président Bitsami Kafuka pour le président. Alors, papa était de ce qu'il dit à Koufa qui qu'on a état de droit. Est-ce le lot qui est état de droit au papa à Koufa là qui les a vraiment conquis la Bokanadou? Bien sûr. Et en autre chose, on n'est pas présent en Fatigue. En ce sens, la cacao et le campement de Bamboué, le peuple d'abord. On ne sait pas pour le peuple d'abord. C'est madame? Madame Thérèse Mbassi. Merci, madame. Autant de fois il a été nommé Premier ministre, il s'est montré qu'il n'était pas profiteur matériel. Il a renoncé à cause des principes qui étaient siens.
parce qu'il avait une vision. Mais à chaque fois, on revenait toujours pour l'inviter comme Premier ministre. Et cette lutte, les gens ne comprenaient pas que c'était une pédagogie pour ne pas voir les matériels, mais avoir une vision de libération. Une vision de libération. Aujourd'hui, être fils, le président de la République, la Ligue, il vous a reçu ou n'est pas reçu? Oui. Cette lutte était une lutte pédagogique, comme je disais. Ceux qui devraient apprendre ont appris. Ceux qui avaient besoin du matériel ont abandonné la lutte, ils sont partis. Mais aujourd'hui, le pouvoir que nous avons est issu de cette permanence dans la lutte. Parce que le fils a hérité la vision du père. Voilà que c'est un aboutissement. Les derniers mots. Oui. C'est pas dernier mot. Alors, mon dernier mot, c'est que j'invite le peuple congolais à soutenir le président de la République dans sa lutte, dans sa vision, pour que ce peuple se retrouve avec toutes les richesses que nous avons, mais que les vautours nationaux et internationaux sont en train de voler et laisser ce peuple dans la misère qui ne dit pas son nom. Je suis en train d'inviter le peuple à soutenir massivement les chefs de l'État pour qu'il aboutisse dans la lutte menée par le PN, qui est en train d'aboutir aujourd'hui. Merci. Merci. Magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministre congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus. Augmentation de 66% des recettes. Le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation. Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur.
agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie et Shima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.